Good morning, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Abraham, Chai, Norbert, Ben Fortune, Mazal, Chaya, Bat Tova, Rachamim, Bat Rosa, Moshe, Ben Yaakov, Tarab, ainsi que les Fouad, Reven, Zebulon, Ben Chaya, Malé, Mera, Bat Razer, Mouv, Ben Yudit, Tessara, Bat Bédir, Rekha, Bat Rosh, Chapro, Israël, société aussi des deux prochaines études de Michel, contre les 5 unités éternelles, nous étudions Maserhet Berot, Perek, Hey, Mishnah, Hey, Neheman, Akon, Lomav, Her, Eti, Bechor, Ze, Ubal, Mum, Hu, Akol, Nehemanim, Al, Mome, Hama, Aser, Bechor, Shenismet, Eno, Shenikte, Ayado, Shenishber, Raglo, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת, רבי יוסי אומר, אפילו יש שם 23, לא יישחט אלא על פי מומחה. Trois sujets dans cette Mishnah. Les deux premiers sont en rapport avec la Mishnah précédente, où on parlait de la crédibilité du Kohen, et on va du coup glisser dans le sujet du Maaser. On va expliquer bien sûr. D'abord, rappel, l'ouverture de la matrice d'une vache, d'une chèvre, d'une brebis, si c'est un mâle, il est kadosh. Il a une kdusha, on est censé faire un korban au misbar, c'est le korban bechor, on doit le donner au kohen. C'est, on l'amène au bâton midrash, on l'offre au kohanim, et les kohanim ils le font, et ils le consomment. À notre époque, on n'a plus de bêta migdash, alors on patiente gentiment, en attendant que le bechor va avoir un défaut. On le donne, on peut le donner au kohen, et le kohen il va devoir patienter gentiment que le bechor va avoir un défaut, qui va devenir impropre à monter sur le misbar. Et dans ce cas-là, il aura le droit de le consommer pour ça, pour lui-même, et même ensuite de donner à manger au Bnei Israël. Ça, c'est tout ce qu'on a appris. On a répété à peu près une quarantaine, cinquantaine de fois depuis le début de Brachot. J'espère que c'est déjà acquis pour tout le monde. Maintenant, on a appris dans la Mishnah précédente que, donc vous avez compris un petit peu l'enjeu, on a un Kohen qui se retrouve avec une vache, plutôt un petit taureau, ou qui se retrouve avec une petite chèvre mâle ou un mouton. Et il ne peut pas le consommer, il ne peut pas le tondre si c'est un mouton, il ne peut pas travailler avec lui si c'est un, petit... Donc c'est un petit peu embarrassant. De manière générale, le Kohen aurait une petite tendance à pousser mémé dans les orties, à provoquer, au moins activement, passivement, à faire en sorte que le Bechor va avoir un petit défaut, il va une petite égratignure qui va le rendre invalide au Montemusberg. De ce fait, on a appris dans le Mishnah que le Kohen n'est pas cru, au moins pour lui-même. Il y avait un sujet... développé, est-ce qu'il est cru au moins, est-ce qu'il est cru pour témoigner pour son copain que le défaut, c'est sur quoi il n'est pas cru. On avait bien précisé, on parle qu'il n'est pas cru que le défaut est venu de lui-même. C'est-à-dire, on a un Cohen qui revient, il est parti faire paître son troupeau, il revient, il nous dit, oh là là, je vous raconte, l'animal il est tombé, on ne le croit pas. Même s'il a une grande balafre maintenant sur la joue, on va dire que tu l'as poussé un petit peu, parce que le Cohen il n'est pas cru, d'accord ? Il a des intérêts à défendre, donc il est plus crédible. Maintenant, la Mishnah commence en nous apportant une super précision. Que Ne'eman ha-Kohen lomar her'eti bechor ze ubal mum hu. Je traduis d'abord. Le Kohen est cru s'il vient et qu'il nous dit « J'ai montré ce défaut, et ce défaut a effectivement invalidé le korban. » Il a été cautionné que c'est un défaut qui invalide le korban. Voilà ce qu'il y a écrit. De quoi on parle plus précisément? C'est simple. Il y a, d'abord je précise, on parle du cas où le Kohen, où il y a un défaut et on sait pertinemment que ce n'est pas le Kohen qui l'a provoqué. Ouais, le Bechor, on a vu, tout le monde, il était là devant tout le monde, on a vu comment il a trébuché, il a glissé et puis il s'est fait une égratignure. Maintenant, est-ce que cette égratignure suffit pour le rendre invalide au Misber? Pour l'invalider au Misber? Alors là, il y a des halakhot qu'on va continuer à évoquer, qu'il faut nécessairement le montrer à un expert, et que l'expert va nous dire oui, c'est un bon défaut, ou non, c'est un mauvais défaut. D'accord? Alors la Mishnah vient m'enseigner, sache que le Kohen, il n'est pas cru s'il te raconte que le défaut, il est venu de lui-même. Mais s'il te raconte que le défaut qui est venu de lui-même, qu'il a montré à un rave, expert, et que l'expert a invalidé le korban parce qu'il a dit que c'était un défaut qui va parvenir, qui rend un propre misbéach, alors là il est cru. Pour quelle raison? C'est très simple. Le Kohen, il est peut-être soupçonné de voler par-ci par-là, de faire ce qui n'est pas digne de contourner, mais en tout cas il n'est pas soupçonné de transgresser un grave interdit de manger un korban à l'extérieur du Beit HaMikdash. C'est-à-dire, si toutefois le Kohen il a incisé l'oreille du Bechor et que maintenant le Bechor il va pouvoir être consommable. Ouais, il aura fait un petit interdit, puis après, il s'est ouvert la porte et il a le feu vert pour pouvoir manger cet animal. Donc on peut entendre que pour pouvoir gagner 2-3 000 shekels, il va se permettre de faire quelque chose de pas très propre.
ça s'entend. Mais par contre, si il va nous mentir et nous raconter que ce défaut, il a été cautionné, que c'est un défaut, effectivement, qui a un véli d'Omisbéar, alors que ce n'est pas vrai, vous imaginez que c'est, si ce n'est pas vrai, ça signifie que l'animal, il a encore kadosh, il a encore un korban plein. Alors dans ce cas-là, le manger à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est une très grave transgression. Là, le Kohen Vadaï, c'est sûr que le Kohen, il est cru, s'il nous raconte qu'il a montré un rave, on ne va pas le soupçonner. D'accord ? Il y a à part ça d'autres, le Bartonnoy qui nous précise encore, d'autres halakhot, que le Kohen aussi, un Kohen qui est expert, il pourra juger, c'est écrit, c'est un peu lié à la Mishnah précédente, un Kohen qui est expert, il pourra définir est-ce que le défaut, selon le principe, un Kohen expert, Talmid Chacham, il peut aussi trancher, pour, selon le principe, et dire que ce défaut-là, c'est un défaut qui va valider au Misbéar. D'accord ? On ne va pas le soupçonner de peut-être fausser un petit peu parce qu'il a envie de manger de la viande, parce que s'il a mangé de la viande alors qu'elle était apte à monter sur le Misbéar, c'est une très grave transgression. D'accord ? On continue maintenant au deuxième sujet de la Mishnah, selon le même principe. « Akol ne'emanim al mumé ha-ma'aser » Jusqu'à maintenant, on a parlé de la gdusha du Bechor. Le Bechor, donc, c'est le verso de la matrice qu'il faut donner au Kohen. À part ça, il y a la mitzvah du Maaser Behema. Maaser Behema, comment ça se passe? Durant toute l'année, mon troupeau se multiplie et il y a des nouveaux-nés. C'est trop, d'accord? Arrive l'approche de... Avant Rosh Hashanah, ça correspond à Elul, je crois qu'il y a un truc dans Rosh Hashanah, premier Elul, le 15 Elul. Alors, il faut maintenant que je réunisse tous les nouveaux-nés de l'année et je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dixième, il devient Kadosh, il devient Gdushat Maaser. Il faut les compter, la Torah insiste. Le dixième devient Gdushat Maaser. Qu'est-ce que ça implique? Que lorsque je vais monter à Yerushalayim, bientôt Pessah, Bezrat Hashem, on va tous monter à Yerushalayim, apporter des corbanotes bientôt, eh bien, je devrais prendre ce Maaser, l'amener à Yerushalayim, en faire un corban, et puis après, je le mange à Yerushalayim. Je dois le donner à personne, je le garde, c'est pour ma propre consommation. Maintenant. Il y a une halakha particulière, d'abord, la Mishnah m'enseigne maintenant. Sache que, si moi j'avais, à notre époque, imaginez que j'ai compté le maaser, et puis finalement, j'étais étourdi, j'ai compté le maaser, alors que j'avais aucun intérêt à le faire, j'étais pas obligé de compter le maaser. On apprendra dans l'occasion d'en parler plus tard, que, en tout cas, j'ai compté le maaser, et puis maintenant il est kadosh. Alors de nouveau, j'ai le même blocage, que je ne peux pas l'apporter au Beth Amikdash, parce qu'il n'y a malheureusement pas de Beth Amikdash pour le moment. Mais quoi ? Je devrais attendre qu'il ait un défaut, comme selon le même principe que le Béchor. La Mishnah vient m'enseigne que dans ce cas-là, je suis Néhéman de dire que le défaut il est venu tout seul. Apparemment, c'est-à-dire très étonnant, j'ai apparemment la même position que le Kohen. Le Kohen, on ne le croit pas, et moi-même, on me croit. C'est-à-dire que le Kohen qui a reçu son Béchor, lui, s'il revient du pâturage et qu'il nous raconte que l'animal il est tombé tout seul et qu'il s'est égratigné, on ne va pas le croire. Et si moi j'avais un animal bechor, un animal maaser dans mon troupeau, qui est pour ma propre consommation, quand en théorie je devais faire un corban et j'avais pas le droit de le tondre, j'avais les mêmes restrictions que le Kohen, je reviens maintenant du pâturage et je raconte à tout le monde, oh là là, l'animal il est tombé, on me croit. Pourquoi? Pourquoi moi je suis mieux que le Kohen? La raison elle est très simple. Le maaser, j'avais moyen de le contourner, de m'en dispenser et de ne pas m'en imposer. Comment? C'était très simple. Avant de commencer à compter les animaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, j'aurais pu partir inciser les oreilles de tout le monde, j'avais aucune transgression à le faire, et dans ce cas-là, je les aurais comptés, j'aurais été dispensé de la porter en corban. J'aurais fait d'accord ? J'aurais été dispensé de le faire en corban. Donc, si moi-même, je me suis engagé, je me suis rentré dans cette obligation d'apporter le maaser, alors on ne va pas me soupçonner ensuite, après coup, que je vais vouloir m'en défaire facilement, parce qu'il n'y a rien qui m'imposait de le faire, je pouvais facilement contourner le problème. Si je pouvais facilement contourner le problème, alors je suis cru quand j'ai décidé de me rentrer dans le problème, et que malgré moi, je vous raconte que le corban a été invalidé, je suis cru, d'accord? À présent, nouveau sujet de la Mishnah, comment permettre un Bechor, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué concrètement, Bechor shenismet eno, un Bechor qui s'est crevé l'œil, on le voit bien clairement, l'œil, il est tombé. Ou encore, chez Niktea Yado, il a eu une main coupée de manière à ce qu'il ne devienne pas taref, le matar mitzvah matagidin. Par rapport, si vous vous rappelez de Khulin, il y a un certain niveau du pied qui devient invalide,
mais à un niveau inférieur où le corban il est où l'animal il est cachère à la consommation, mais bien évidemment qui sera impropre à monter sur le misbère, parce qu'il aura eu un défaut, même pour moins que ça, on a invalidé au misbère. En tout cas, donc on a, soit on a, il s'est crevé l'œil, soit il s'est coupé la main. Au shinishbera vraglo, de la même manière aussi, il s'est cassé la patte. De manière à ce qu'il n'est pas taref, mais il est pas bien à la consommation, mais impropre au bébé. Le dénominateur commun de ces trois défauts sont que c'est des défauts qui sont flagrants. Il n'y a pas lieu de se tromper. À la différence d'avoir une petite incision dans la lèvre ou dans l'oreille ou peu importe, quelque chose qui va invalider le corban, mais il faut être expert pour savoir est-ce que ça ne va pas se refermer, ça va pas devenir normal ou non. Là, les défauts qu'on a évoqués, ce sont des défauts qui invalident totalement au misbir. Mais alors, maintenant, selon ce principe, on a maintenant un sujet intéressant. Est-ce que j'ai besoin de montrer ce béchor ou est-ce que je peux décider tout seul que le béchor il est permis à la consommation? Si je le montre à qui je le montre? À des experts ou je peux même le montrer à trois personnes qui sont de bons juifs mais pas experts? Eh bien on a une marloquette. Quoi qu'il arrive, il faut le montrer, la question c'est à qui. Donc, la mission en fait, béchor chez Nismet et Noah, un béchor qui s'est fait crever l'œil, chez Niktayado qui s'est fait couper la main ou qui s'est fait amputer la main, chez Nishvera, un glo qui s'est fait casser le pied. Dans tous ces cas de figure, Arezé Ishafet al Pishlosha Benei Haknesset. Ce béhor-là, il pourrait être égorgé, même en le montrant à trois bons juifs, kshirim, mais pas forcément Tamidir Khamim, à Filoanan Khamim, des bons juifs, de la bête Knesset. Je leur dis, vous avez vu, regardez, ça a fait crever l'œil, c'est un béhor. Vous cautionnez le fait que je puisse l'égorger. Ils vont me dire, mais bien sûr, tu vas pas porter un corban avec un œil crevé quand même. Donc, ils m'ont cautionné l'invalidité du corban. Et la Mishnah m'enseigne, notre première ligne de la Mishnah, que ben, j'ai le droit de consommer ce corban. Je l'ai montré. À la limite, j'aurais pu permettre même sans montrer. Seulement, on n'a pas voulu permettre ça. On a voulu laisser un cadre assez défini. Mais trois personnes, même simples, suffisent pour permettre un défaut qui est connu et clair aux yeux de tous. Eh bien, Rabbi Yossi et les Cholek, Rabbi Yossi et Omer, Afilou, Yasham, Esrim, Meshlocha, même si on a là-bas 23 bons juifs sympathiques, mais qu'il n'y a personne qui est expert. D'accord? Donc 23, c'est parce que c'est le chiffre du Sanhedrin Tana. Dans chaque ville, il y avait un Sanhedrin qui était capable de juger un tribunal qui était capable de juger les dînes et les fachot. Il y en avait 23, donc il a dit, même si tu as 23, qui représente un super bendin, mais que c'est tous, la personne, il n'y a pas de mompré à l'intérieur, il n'y a pas d'expert, eh bien, l'œil chachet est là, le pied mompré, tu ne pourras l'égorger que sur le verdict d'un mompré qui va le voir et qui va trancher que le corban invalide. Que le défaut invalide le korban. D'accord? Le Bartanoir nous précise que, quoi qu'il arrive, si un mumché dans la ville et un expert dans la ville, on est obligé d'avoir l'expert. La question de la Michel commence juste quand il n'y a pas d'expert. Est-ce que je peux me fonder sur trois personnes? Ou Rabbi aussi qui nous dit même 23 personnes ne suffiront pas, tant qu'il faudra un expert, tu te casses la tête, tu trouves un expert. La halakha n'est pas établie comme Rabbi aussi, mais comme Tanakama, que sur un défaut qui est clair aux yeux de tout le monde, suffisent trois personnes, même simples, pour permettre ce défaut. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. Salam.